Avant de commencer de faire la vidéo, il commence à pleuvoir. Vraiment une chance de merde. Salut à tous, c'est Daddy et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la prise en main du Xiaomi Mi 8 qui m'a été envoyé gracieusement de la boutique Geekmal. Alors pour réexpliquer encore c'est quoi Geekmal, c'est une boutique qui est basée en France. Vous avez une garantie en France pendant 24 mois, donc si vous avez un souci, vous avez juste à le retourner directement vers la boutique. J'ai eu beaucoup de retours de la part de certains de mes abonnés. Je vous remercie en tout cas mille fois d'avoir utilisé déjà le service et vous avez acheté déjà chez eux. Et quand vous avez eu des problèmes avec votre smartphone, vous avez un changement assez rapide, tout l'expérience a été très positive pour certains. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez déjà eu une expérience avec eux grâce à moi dans l'espace commentaire, ça me fera vachement plaisir. Et après je vous expliquerai pourquoi déjà il s'est pas fait appeler Mi 7 mais plutôt Mi 8. Ah vous savez quoi, on va commencer directement par ça. Il s'appelle le Mi 8 parce que c'était l'anniversaire des 8 ans de Xiaomi. Voilà, mystère résolu. Bon, on va commencer directement par ce que j'ai aimé sur ce smartphone dès la première impression et ce que j'ai moins aimé aussi parce qu'il y a quand même des trucs qui sautent directement à l'œil et on va voir ça point par point. Alors, commençons par les trucs qui sont plus ou moins intéressants. Alors, vous l'avez remarqué, ce smartphone embarque une encoche. Ce n'est pas forcément intéressant pour moi, vous le savez, mais j'ai tellement critiqué l'encoche que je vous ai promis que je vais arrêter de critiquer comme ça. Bah, je vais tout de même me permettre de juger ce qui se cache sous l'encoche et vous l'avez compris, on a le fameux Face ID. Mais celui-ci, il n'est pas en 3D, il est uniquement en infrarouge, ça veut dire qu'il combine l'appareil photo et l'infrarouge, et bien évidemment ça ne marche pas si... Ferme ta gueule la mouette. Et vous l'avez deviné, bien sûr, il ne marche pas si vous avez les yeux fermés. Bah, ça se rapproche énormément de ceux d'Apple, mais c'est pas forcément aussi poussé en termes de sécurité. Et si vous souhaitez le plus sécurisé, vous avez la version EE, donc Explorer Edition, qui proposera à l'identique le Face ID qu'on peut retrouver chez Apple. Oh là là, et plus sérieusement. Donc je mérite vraiment beaucoup de pouces bleus pour ça, parce que là, je suis entièrement mouillé et tout mon matos est mouillé. Heureusement que mon boîtier il est tropicalisé. Alors revenons à ce fameux Face ID qui aura surtout un autre nom, par exemple Face Unlock 3D ou un truc du genre. Bah, sachez qu'il est extrêmement performant, plus performant que ceux d'Apple, et je parle bien pendant le déverrouillage. Ça veut dire peu importe l'angle de vision que vous choisissez, et bah ça marche nickel. J'ai jamais eu de souci que ce soit en plein soir, en plein jour, vu qu'il utilise l'infrarouge. Et contrairement au Condor ou contrairement à d'autres smartphones que j'ai testés, ou par exemple, je prends juste l'exemple comme ça du Honor ou d'autres smartphones, si vous allez utiliser le Face ID, entre guillemets, et bah il est obligé d'allumer l'écran. Contrairement à ce Xiaomi, comme il utilise l'infrarouge, bah pas besoin de toucher à l'écran pour économiser le maximum de batterie, alors il va déverrouiller directement écran éteint. Et ça c'est vachement intéressant, chose que j'ai pas vu ailleurs. Bon, en termes de sécurité, sachez que j'ai essayé avec une photo, ça ne marche pas. Si vous avez les yeux fermés, ça ne marche pas, je sais que je me répète. Mais voilà, c'est très important de les mentionner ces deux points. Comme il n'y a pas les 30 000 points projetés sur votre visage, ça c'est quelque chose qui est dédié à la version Explorer Edition, et bah sachez quand même que ça reste beaucoup plus sécurisé que ce qu'on peut retrouver déjà actuellement. Bon, un autre point qui m'a énormément plu, c'est l'écran. On retrouve une dalle de 6,21 pouces, donc 6,2 pouces, Super AMOLED, Full HD+. L'écran, il est extrêmement lumineux, aussi lumineux que ceux de Samsung, parce que c'est un AMOLED de dernière génération, ce qui explique pourquoi l'écran est aussi bon et surtout pourquoi il est aussi lumineux. Bah, ce qu'on peut retrouver par exemple sur le Huawei P20 Pro ou le OnePlus, et bah, c'est ça le souci des vieilles dalles AMOLED. Là, Xiaomi a mis le paquet parce qu'ils ont pris un AMOLED de dernière génération, ce qui explique pourquoi l'écran il est si lumineux. Bah, en dessous du capot, on va retrouver tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Snapdragon 845, 6Go de RAM et 64Go de mémoire de stockage, 128, et aussi 8Go de RAM et 128Go de mémoire de stockage. Bref, vous avez du choix, mais pour moi, 6Go de RAM suffit largement à faire tourner le smartphone et je vous le dis honnêtement, il est hyper rapide, hyper actif. Aussi, il faut le dire honnêtement, MIUI 9.5 aide énormément. C'est une surcouche maison de chez Xiaomi. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les surcouches, mais personnellement, j'aime beaucoup parce que ça fait partie de l'identité de la marque. En tout cas, l'expérience que souhaite nous partager la marque. Et je pense que MIUI est l'un des meilleurs, voire le meilleur sur ce plan parce qu'il partage vraiment une surcouche très, très bien finie. Et surtout ce point parce que c'est méga important. Il y a vraiment un écosystème qui s'est basé derrière. Donc voilà, si vous êtes vraiment fan des surcouches ou sinon, si vous souhaitez vraiment quelque chose qui se rapproche de ceux d'Apple, je pense que MIUI est la meilleure expérience possible. Bon, je pense que c'est quand même le point le plus intéressant et celui qui vous intéresse tous, l'appareil photo. Alors, sachez qu'on retrouve un double capteur photo à l'arrière de 12 millions de pixels. Ah bah, le premier, c'est un grand angle, le second, c'est un zoom x2 et c'est un vrai capteur. C'est-à-dire que si vous le cachez, bah, il devient noir. Voilà, donc c'est pas un zoom logiciel, par exemple, comme sur le Honor ou comme sur les OnePlus. Ce qui fait que vous n'avez pas normalement de perte de qualité. Alors, le premier ouvre à f1.8, le second ouvre à 2.4. Donc, c'est quasiment l'identique de l'iPhone X. Voilà. Alors, en
termes de photos, je vous le dis honnêtement, le capteur principal est excellent. Alors vous avez un excellent piqué, la colorimétrie elle est très très bonne. Elle est un petit peu saturée mais c'est pas très grave, personnellement je trouve ça très flatteur. Et vous avez aussi bien sûr l'IA, donc l'intelligence artificielle qui vient rajouter, modifier un peu la photo à sa guise en saturant un peu plus les couleurs et en s'adaptant selon votre environnement. À l'avant vous avez un capteur de 20 millions de pixels pour des selfies grosso modo de bonne qualité, même si j'ai constaté quand même qu'il a l'habitude un peu de surexposer l'arrière-plan. Chose que j'ai pas forcément compris, c'est pas trop grave, je vous le dis honnêtement, c'est pas forcément trop grave, mais voilà, c'est quand même un point très important à aborder. Voilà, j'ai dû nettoyer un peu l'objectif parce qu'il était un peu crade. Alors revenons à l'appareil photo, je disais que l'appareil photo selfie a tendance un peu à surexposer l'arrière-plan, chose que j'avais jamais vu avant sur les Xiaomi, et c'est nouveau, donc je sais pas pourquoi il fait ça. Après c'est pas très grave parce que le visage reste quand même très très bon, et voilà, vous avez quand même un très bon piqué d'image, vous avez aussi le mode portrait dans les deux cas, et que ce soit en plein jour ou en basse lumière, l'avant comme l'arrière se débrouille plutôt très bien. Bon, les selfies un peu moins bien quand même en basse lumière, mais franchement l'appareil photo arrière il est très très bon, plein jour, plein nuit, même si j'ai constaté beaucoup trop de grains sur l'image, j'ai pas compris pourquoi. On a comme l'impression que Xiaomi cherche à donner beaucoup trop de détails sur une photo, donc on a tendance de voir beaucoup trop de grains, donc sur les zones on trouve un peu d'ombre, etc. J'ai pas compris trop pourquoi le délire, il faut vraiment que ça lisse un peu mieux, un peu comme par exemple sur les iPhone ou sur les Samsung, parce que je trouve que là c'est un peu trop brut. C'est pas grave, ça ne dérange pas pour autant, parce que la photo quand elle est voilà, en grand plan, vous n'allez pas forcément remarquer, mais si vous allez dans les zones d'ombre, même en plein jour, bah, vous allez avoir un petit peu de bruit, ce qui reste un peu dommage. Bon, il y a aussi un autre point peut-être un peu négatif, c'est que j'ai remarqué que la mise au point est un peu lente. Par exemple, si vous prenez une photo, bah, vous êtes obligé d'attendre un peu avant de retirer votre smartphone, parce que sinon la photo sera un peu floue, ce qui est un peu dommage. Donc entre le clic et la prise de photo, il y a un petit décalage et ça peut déranger beaucoup de personnes. Bon, moi personnellement ça m'a pris un peu de temps pour m'y adapter, parce que je me suis dit au début que c'était un problème de mise au point. Non, en fin de compte non, c'est juste le temps que la photo soit prise, voilà, donc ne vous faites pas avoir. Bon, pour la partie vidéo, ce smartphone filme en 4K, il filme en Full HD 240 images par seconde, et pour être honnête avec vous, ce que je ne comprends toujours pas, c'est, j'ai vu exactement le même souci sur le Xiaomi Mi Mix 2S, c'est qu'on a ce découpage de vidéo, je ne comprends pas. C'est à dire quand vous êtes en train de filmer, la stabilisation elle est plus ou moins bonne, même très bonne, surtout en Full HD. Apparemment ils devraient annoncer une nouvelle mise à jour pour améliorer ça, mais on a quand même ce petit gelo, je comprends pas pourquoi, il y a petite, parfois ça découpe l'image. Et je trouve ça plutôt dommage. Bon, un autre point encore un peu négatif pour les fans de l'audio, bah vous n'avez pas de prise jack 3.5, mais vous avez un adaptateur fourni dans la boîte directement, chose qui me désole un peu, j'aurais quand même préféré l'avoir aussi. Mais il faut croire que Xiaomi des adieux sur le haut de gamme pour la prise jack 3.5, vous avez quand même le Bluetooth 5.0. Et ce qui est un peu encore dommage, c'est que vous n'avez pas de haut-parleur stéréo comme sur le Mi Mix 2S, chose qu'on a déjà trouvé chez eux et on ne comprend pas pourquoi ils l'ont pas mis. C'est exactement le même problème qu'on a pour la recharge sans fil. Bah, c'est quelque chose qu'ils ont déjà implémenté sur le Xiaomi Mi Mix 2S et qu'on n'a pas malheureusement sur le Mi 8. Je suis même pas sûr si on l'a dans la version Explorer Edition ou pas, mais voilà, c'est pas forcément dégueulasse, mais personnellement j'aurais quand même préféré voir une prise jack ou encore mieux, au moins un haut-parleur stéréo et non pas un haut-parleur mono. Bon les amis, je sais qu'il y a un point qui est vraiment très important pour vous, c'est le design. Ce smartphone s'inspire énormément de l'iPhone 10, que ce soit l'approche de l'encoche, l'approche du double capteur photo à l'arrière et même celle du logiciel et même du marketing pour le dire directement. Xiaomi est une marque qui s'inspire énormément d'Apple et ils le disent ouvertement, ce n'est pas contrairement à d'autres marques qui le cachent. Là c'est dit ouvertement, voilà, on s'inspire d'eux, c'est les meilleurs. Et ça peut se comprendre dans un coup parce que sur le plan marketing, Apple reste le patron et Xiaomi, ils n'ont pas tort de les copier. Hein. Enfin, s'ils souhaitent réussir, hein, ce qui est tout à fait normal. Hein. Bon, en dehors de ça, le smartphone reste très joli. Vous avez quand même un petit montant en bas. Je sais que ça dérange certains, ce n'est pas forcément très grave pour moi. Voilà, ça reste une question de goût. Et c'est un truc que j'aime pas chez les Chinois, bah, ils ont un peu tendance à limer un peu les bordures. Hein. Chose que j'aime pas, voilà. Même si j'adore Xiaomi, je trouve que cette approche marketing n'est pas très bonne parce que quand on le voit dans les photos, on a l'impression qu'il n'y a pas de bord sur les autres côtés, alors que si, il y a quand même des bords, hein, ce qui est un peu dommage déjà en même temps. Par exemple, par rapport au Zenfone 5, et ben, on remarque que les bordures sont un peu plus épaisses, ce qui est un peu dommage. Et vous me connaissez, je reste quand même quelqu'un de très honnête, voilà. Même si j'adore Xiaomi, en tout cas, eux, ils le savent et je fais un big up à Xiaomi France. Voilà, je reste honnête. Pour finir, design 10 sur 10 parce qu'il est vraiment super classe, surtout pour le prix. Alors on retrouve une batterie de 3400 mAh compatible charge 4.0. Bon, pour l'instant, il n'y a aucun chargeur qui est compatible 4.0. En tout cas, le chargeur fourni, c'est à 3.0. Mais sachez que le temps de recharge de 0 à 50% m'a pris plus ou moins 30 minutes. Et de 0 à 100%, ça prend plus ou moins 1h30. Donc, ce qui est relativement très bon. Et en autonomie, je ne peux malheureusement pas vous donner un avis. Parce que pour l'instant, j'ai testé que pendant une journée. Mais ça a l'air très très bon. Bon, les amis, avant de finir, il faut que je vous donne le prix, ce qui est tout à fait normal. Alors, sachez qu'on peut le retrouver à l'heure actuelle entre 450 et 530 euros à peu près, grosso modo, pour la version 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage.
Après, je ne sais pas combien il va coûter en France. Vraiment, franchement, j'ai vraiment pas d'idée sur le prix. Je parle bien de Xiaomi France, hein, on est bien d'accord. Hein. Malheureusement, vous pouvez le trouver à quasiment 1000 balles chez Gearbest. Je n'ai pas compris pourquoi, mais c'est l'offre et la demande. Dès qu'ils trouvent que le produit est trop demandé, bah, ils ne se retiennent pas d'augmenter les prix, même de flamber les prix à 1000 balles, alors que le smartphone a été proposé par Xiaomi à 350 euros, à 380 euros, un truc du genre. Bon, les amis, voilà, on a touché à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. J'ai pris vraiment beaucoup de flotte pour vous. J'espère que vous avez liké, que vous avez partagé, que vous vous êtes abonné en masse. Ça me fera vachement plaisir. On vise les 100K pour très bientôt, du moins j'espère. On est bientôt à 40 000, mais c'est pas très loin de 100 000. En tout cas, c'est plus proche de 100 000 que de 200 000. On est bien d'accord. Alors prenez soin de vous, les amis. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, en tout cas pour le test complet de ce smartphone. Allez, adios.